d'être avec nous. Pluie et confettis pour le carnaval d'Aussonne cet après-midi. Les conditions climatiques n'ont pas entamé le rendez-vous. Les visiteurs étaient là, prouvant s'il fallait que rien n'arrête l'esprit de la fête. Ambiance avec Muriel Bessard et Stephen Pfeiffer. Les princesses portaient des manteaux cette année. Il faut dire que vu la météo, il paraissait plus judicieux en effet aujourd'hui de miser sur des déguisements plutôt poilus. Ou alors carrément adaptés au temps. En quoi tu t'es déguisée? En poulpe. Tu sais ce que c'est un poulpe? C'est quoi? Ça vit dans l'eau et puis ça vit à la mer. On se demande, hein. On nous a demandé limaces, escargots, martiens en fait. Le ridicule ne tue pas, surtout aujourd'hui. Rassurez-vous, monsieur, vous n'êtes pas seul. Et puis, comme vous dites, c'est carnaval, alors tout est permis. Dans le cortège, la créativité n'était pas en reste non plus. Une vingtaine de chars a défilé dans les rues d'Aussonne, parmi lesquels un dragon, une pastèque géante, un petit prince, un carrosse. Bref, de quoi satisfaire tous les goûts. Vu qu'il vous a plu? Moi j'ai bien aimé le carrosse de Cendrillon. Je trouvais qu'il était super bien réalisé. Et puis ben, j'aime bien celui-là aussi, celui d'Aladin. Il est pas mal, je trouve aussi. La rencontre avec les autres gens qui sont déguisés, c'est ouvert quoi. L'ambiance, Auxonne, on aime faire la fête, c'est super. Vous l'avez compris, malgré le froid et la pluie, tout y était. Pas besoin d'autre chose pour réchauffer l'atmosphère.